Le quadrilatère ABCD est inscrit à un cercle avec les angles BAD de 76 degrés, BDC de 16 degrés, ACD de 51 degrés, comme sur la figure imprécise ci-dessous. Question: quelle est l'amplitude de l'angle ABC? Nous cherchons donc l'amplitude de cet angle rouge ABC. L'angle BAD intercepte cet arc de circonférence vert. C'est l'arc BD. L'angle au centre qui intercepte le même arc de circonférence, c'est cet angle-là. Et son amplitude est le double de 76 degrés, donc 152 degrés. L'angle BDC intercepte cet arc de circonférence CB. L'angle au centre correspondant, c'est celui-là. J'enlève l'angle vert, comme ça on le voit mieux. Et cet angle-là a comme amplitude le double de 16 degrés, c'est-à-dire 32 degrés. L'angle ACD intercepte cet arc de circonférence bleu et l'angle au centre correspondant, c'est celui-là, dont l'amplitude est donc le double de 51, c'est-à-dire 102. L'angle que nous cherchons intercepte cet arc de circonférence rouge de C jusqu'à A. L'angle au centre correspondant, c'est cet angle-là. Son amplitude est le double de l'amplitude de l'angle que nous cherchons. L'amplitude de cet angle au centre, c'est de là jusqu'à là. Donc, c'est 152 degrés moins, c'est 32 degrés plus, c'est 102 degrés. Donc, comme ceci, cet angle rouge, c'est 152 degrés moins 32 degrés plus 102 degrés, et ça donne 222 degrés. L'amplitude de l'angle que nous cherchons, c'est la moitié de 222 degrés, c'est-à-dire 111 degrés. Et par conséquent, le A est la bonne réponse.